Ok, apparemment ça streamait, mais ça streamait pas. C'est très bizarre. C'est-à-dire que en fait, ça a lancé les données de stream comme si j'étais réellement en stream pendant 20 minutes. Sauf que je trouvais le chat trop calme. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait absolument aucun message. J'ai vérifié, non, en fait, il m'affiche tout comme si j'étais en train de streamer. Il me met même état en direct. Mais je ne stream pas actuellement. Du coup, ça veut dire que je vais refaire mon intro, c'est ça? Bon, bah, je vais la faire courte. Salut tout le monde, on est de retour sur Splatim. Je vous rappelle que le jeu étant que nous jouons sous le nom de Splatim et que nous sommes un imbécile. Vous vous souvenez peut-être pas, mais la dernière fois, j'ai fait un stream le dimanche et je me suis fait un thé au CBD. Ou est-ce qu'il n'y avait peut-être pas que du CBD, quoi? Et j'avais dit, bon, je peux pas tout boire d'un coup, je vais garder la moitié ailleurs. Voici l'autre moitié. J'ai tourné à ça pendant, c'est plus le stream, donc... Faudra s'y faire. J'ai un très bon débit par contre. Je suis choquée. Genre tout à l'heure, il m'affichait un débit à 200, là j'ai un débit à 500. C'est vraiment pas mal, hein. Enfin, 500 ici, c'est vraiment exceptionnel, je crois que vous n'êtes pas conscient, hein. Moi, j'ai pas la fibre. Moi, j'ai une box qu'on partage à 80. D'ailleurs, c'est pour ça que le stream de vendredi, et je m'en excuse, j'ai checké tous mes paramètres, du coup, maintenant, j'ai tout retravaillé. Ça sent le cramer d'un coup. J'ai tout reprogrammé. Pourquoi? Parce que j'avais tellement... Oh, le stream de vendredi était un enfer au niveau du réseau. Mais aujourd'hui, je suis là avec vous. Après un début de stream extrêmement bizarre, où est-ce que, en fait, il m'a dit que j'étais en direct. Avec toutes les indications, genre oui, vous êtes en direct depuis genre 20 minutes. En fait, pas du tout. Je n'étais pas sur Twitch. Il m'a envoyé un direct et je sais pas où il l'a envoyé. Dieu merci, je suis très fort en informatique, j'ai pu le repérer vite et régler le problème, mais quand même. Bon, on a fait deux missions sans vous. Donc, je vais dire juste la théorie que j'ai compris là maintenant. Alterna, le monde où est-ce qu'on est en train de faire des missions là depuis tout à l'heure. Le monde d'Alterna, c'est le monde ordre en fait. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de la fin de Splatoon 2, à la fin de Splatoon 2, le dernier Splatfest, c'est Chaos contre Ordre. Chaos a gagné et par une marge plus que suffisante parce que bon, tout le bordel, c'est vraiment beaucoup plus drôle que l'ordre. Mais par contre, Alterna, quand ils disent des choses genre Alterna, un monde sans alternative. Genre ouais, ça c'est Ordre. Alors je vais pas reprendre le parapluie, c'est mort. Je vais essayer ça, ouais. Alors, je précise et je rappelle pour ceux qui ne viennent jamais. Je suis très nulle à Splatoon. Et quand je dis je suis très nulle, vous avez la démonstration, je n'arrive pas à monter un mur. D'accord, là j'arrive à toucher une cible. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, entre les bugs, on s'est vite rendu compte que je ne savais pas toucher les cibles. Eux non plus, apparemment, mais j'ai... Bon. Pourquoi Kali tu cries ah meuf t'as rejoint les Octariens à un moment dans ta life? Genre tu sais ce que c'est un Octarien. Oh putain j'ai raté. J'étais en mode attaque surprise, j'ai raté l'attaque, j'ai visé à côté. S'il y a bien une personne qui ne devrait pas avoir peur des Octariens, c'est bel et bien Kali finalement. C'est pas la fois qu'ils nous ont fait le coup bas sur toi. Toi, t'as été kidnappé, MDR. Merde. Mauvais plan d'attaque, mauvais plan d'attaque. On rapatrie. Putain, il tire loin, c'est con. Ok, c'est pas grave. Let's go, baby! Ah! Il ne peut pas me toucher derrière le muret. Ah ah, Buzzer Trucker!
Oh putain, j'ai pas continué. Il m'a eu de ses morts. Tu vas mourir de ses morts. Je suis mort aussi. Ah ah. Comment, à quel moment je ne touche pas? Bien joué, petit. Je savais pas que mon plan marcherait. Littéralement, j'en avais aucune idée que ça marcherait. Mais j'arrive pas à le viser, ce con. En plus, ils m'ont enfermé, ces connards. Non, mais je commence à savoir où vous êtes, hein. Merde. Oh mon dieu, il est con. J'ai compris un moyen. Ah oui, je vais continuer au point de contrôle, mais laisse-moi continuer au point de contrôle, bah. Wesh! C'est bon, j'ai compris, je sais que je suis nul. View. Allez-y, paniquez! Et merde, j'ai pas réussi à sortir de ma cachette comme il faut! Ah! Ah! Ah, j'ai raté mon tir. Ah non, je l'ai eu. À quel moment il m'a touché? Le mec, il me touche à travers le mur. Bon, ok, lui, je sais qu'il est chiant. Ah, parce qu'aucun de nous deux ne sait comment foutre sur la gueule de l'autre, donc c'est beaucoup trop drôle. Merci de l'avoir distrait. Reviens ici. C'était clairement la pire utilisation que je pouvais en faire. Et je l'ai fait! J'ai un problème, non? Ah! Attends. Ah! Bon, ah! Ah! Après, 140 essais. C'est là que le lance-missile aurait été utile. T'as cru? Ma technique s'appelle défends-toi comme tu peux. C'est-à-dire que même si on en a un, on en a un.
Attends. J'en touche aucun de là. J'en touche aucun de là. Ah, t'as sacrément fait le nage, bah ouais, tu m'étonnes. Tu sais ce qui t'attend là, bah. C'est ces conneries, ouais. Ce qu'il y a, c'est que comme ils sont cons, tu peux littéralement faire ça. Le souci, c'est que je me fais toucher en même temps qu'il me touche, en fait. Oh oh, je perds pas l'objet. J'ai un objet qui spawn, t'as cru que j'allais abandonner ça. Oh merde, il est monté. Je le touche pas. La portée est super basse en fait. Ce qui me force à foncer comme un gros taré. Tu vois que je peux lancer le petit gars, tu vois. Bon, c'était pas exactement ce que j'avais prévu, mais... Oui, je sais qu'il faut pas que je laisse ma garde, ils vont spawn d'un coup. Parce qu'il n'y a pas moyen qu'on m'embête pas là maintenant. Ah, ah, ah. Je le dis, mais je le fais pas. Ok, lui il va attaquer, mais il peut pas me toucher derrière le mur. On va utiliser cette brique en notre avantage. On va pas utiliser cette brique en notre avantage. On va fuir. La fuite est une solution. J'ai jamais dit que c'était une bonne solution, j'ai dit que c'en était une. Il est là, mon petit. Ok. On fonce. Oh, punaise, t'as pas marché. En plus, on n'a pas marché. Je peux pas arrêter leur boulet. Bah par contre il y a un objet et ça. Je les atteins pas d'où je suis. C'est quoi cette mélange de musique d'ascenseur et de musique pop? Si on doit y aller comme un gros bourrin, on lire. Ah merde! J'avais oublié! T'as oublié que t'étais un peu une salopette quand t'allais vite. J'étais là, si je le touche pas, je vous jure.
Écoutez, il va falloir que j'aille de manière non cérémonieuse. Un instant, je peux pas jouer. Attends, mais y a... je suis tombée sur le seul pixel de violet, on est d'accord? Attention. C'est pas possible, mais je me fais taper. Regardez ça, à chaque fois je me fais toucher par un pixel de violet. Mais alors cet unique pixel de violet, par contre, il va me ruiner ma vie. Alors... L'eau est aussi un ennemi. À quel moment je le touche pas? Non! Non! Putain, mais mon pire ennemi, c'est pas les Octariens, c'est l'eau! Mon pire ennemi, c'est juste l'eau! Quand le jeu va me proposer une option d'aide, je vais être là. Est-ce que vous pouvez retirer l'eau, s'il vous plaît? Parce que je glisse dedans. On peut pas mettre du CBD dans cette eau, comme ça. On n'a plus de soucis. Oui, je suis allée comme une brute. Je sais. Je sais que c'est pas la technique. Un moustique vient de me piquer le bras. Oh merde, ils m'ont vu. Est-ce que vous voyez comment je galère à viser? Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien joué, petit! Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, ils vont attaquer. Bien joué, petit! Ce petit va devenir le MVP de cette mission. C'est pas moi qui vais remplir la mission, c'est lui, hein. J'ai été touché par quoi là? Attends. Là je le touche pas. Mais... Ok, viens ici, petit. Parce que là, c'est le moment compliqué où j'ai tendance à tomber dans l'eau.
Est-ce que je pourrais dire que j'aime pas cette musique? Est-ce que des gens dans le chat voudront me taper pour ça? Écoute, ceci était un showdown. Ceci était un showdown, mais ça veut pas dire que je le répéterai deux fois. Alors, par contre, ouais, il faut que je planifie mieux ma fuite, hein, si je dois fuir. Ouais, parce que chaque fois, j'ai beau le viser, je n'arrive pas à le tirer au bon endroit. Oh punaise! Oh punaise! Vous voyez, dans ce que je disais quand je disais planifier ma fuite, c'est ça, tu vois, c'est que là j'ai pris la fuite, j'ai pris d'autres dégâts juste parce que j'ai pas. Parce que les trucs sont violés, tu vois. J'en ai eu un. Est-ce que je l'ai envoyé dans l'eau? Je suis désolée mon grand, je sais pas ce que je vais faire. Vomi que je l'ai là, t'as pas, vas-y. Moi je dis pas vomi, je dis vomi mon gars. Vomi que je l'attends pas. C'était un deuxième showdown. Viens là mon petit. T'es le MVP de la mission, il faut que tu sois là quand je. Quand on remporte le truc, non? Ok, niveau à bascule. Ouais, enfin. Surtout ma gueule qui s'est basculée là. J'ai mis combien de temps à faire ce niveau? 23 minutes. 23 minutes pour faire un niveau, monsieur. Eh oui! L'incompétence, c'est ça. Être nul, c'est ça. C'est mettre autant de temps à faire un niveau. C'est un bouton? Ok, il y a un bouton. Non mais t'es sérieux, je peux pas tirer jusqu'ici. Bon petit poteau a déniché un truc, c'est du sardinium, c'est du fer. Ah bah toi aussi t'as vu le bouton. J'ai un truc, regardons ce que c'est. Le jeu a parlé. Bon. Admettez que c'est merveilleux. Oh mon petit bonheur, t'as trouvé quelque chose. Le jeu a planté. Et le jeu a planté. Ça c'est fort. Ça c'est fort. J'ai jamais eu cette erreur là. Généralement ça quitte le logiciel. Mais ça fait pas planter comme ça. Est-ce que j'ai découvert un oblique? J'ai l'impression qu'il y a des bugs dans le jeu. Hein. Oh, rebonjour. Oh, quel échec. Je vais faire une aventure. On va commencer. Je vais voir si ça fait exactement le même bug.